C'est parti. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée session extraordinaire du 16 mars, 9 h AM. Avant de partir l'Assemblée, je vais faire l'appel des élus. Numéro 1, siège numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. Siège numéro 2, M. Réal Ducharme. Présent. Siège numéro 3, Marc Ménard, donc c'est absence motivée, il est au travail. Siège numéro 4, Mme Lorraine Labrosse. Présent. Siège numéro 5, M. Michel Hay. Présent. Et siège numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présent. En la présence de notre directeur général, Mme Nathalie Piret, et de moi-même en tant que maire. Donc, comme de raison, la séance est enregistrée, se passe par visioconférence à huis clos. Concernant, en fait, c'est à la demande du ministre du gouvernement, là, le décret en lien avec la COVID. Donc, quelqu'un pour ouvrir l'Assemblée? Michel. Michel, là, je vais juste fermer mon téléphone pour ne pas déranger. OK. Ensuite, on procède à l'adoption de l'ordre du jour. Rapport. Donc, proposé par Lorraine, à noter que M. Ménard a signé la feuille comme quoi qu'il refuse l'avis de convocation parce qu'il y a un élément qui a été rajouté à l'intérieur des délais prescrits. Donc, on est conforme. On suit avec en législation. Point 3.1.1, c'est un avis de motion numéro 2103-06 AM. Sur le dépôt d'un règlement numéro 352-21, plan d'urbanisme. Qui dépose l'avis de motion? Moi, Et bien. Réal. On poursuit 3.1.2, l'avis de motion numéro 2103-07 AM concernant le règlement numéro 353-21. C'est dépôt d'avis de motion sur le règlement de zonage. Qui dépose l'avis de motion? Michel Hay. Ensuite, point 3.1.3, un autre dépôt pour un avis de motion numéro 2103-08 AM sur le règlement numéro 354-21. C'est le règlement sur les lotissements qui dépose l'avis de motion. Je dépose. Sophie. 3.1.4, avis de motion 2103-09 AM sur le dépôt d'un avis de motion au règlement numéro 355-21, c'est les règlements de construction qui déposent l'avis de motion. Elle dépose. Lorraine. Et finalement, 3.1.5, avis de motion numéro 2103-10 AM. C'est sur un dépôt pour une réglementation numéro 356-21, règlement sur les permis et certificats. Propose. Michel Forgette. On poursuit avec, dans les règlements, on recommence avec les premiers projets de règlement. 3, 2, 1, c'est règlement numéro 352-21 sur le plan d'urbanisme. À noter que tous les plans, tous les premiers projets de règlement qui vont suivre, il va y avoir aussi consultation publique qui va être faite là-dessus, possiblement par voie électronique, je pense, hein? Par écrit, sur le site web, oui. Sur le site web, parfait, Par merci. écrit. Qui est-ce qui propose le premier projet de règlement sur le plan d'urbanisme? Le propose. Réal Ducharme. On s'en va au point 3.2.2, premier projet de règlement numéro 353-21, sur règlement de zonage. Qui est-ce qui propose le dépôt? Le premier projet, excusez. Je vais proposer, Monsieur. Excellent, Michel Hay. S'en va ensuite au point 3.2.3, premier projet de règlement. Règlement 354-21, c'est la réglementation sur les lotissements. Qui propose?
Je propose. On est dans le bon ordre. Comme c'est là, c'est Sophie. On est dans le même ordre que tantôt. Là, je ne sais pas, gang. Le point 3, 2, 4, premier projet de règlement, numéro 355-21, règlement sur réglementation sur la construction. Qui propose? Je propose. Lorraine. Et finalement, 3, 2, 5, premier projet de règlement numéro 356-21, c'est le règlement sur les permis et certificats. Est-ce que par hasard, M. Forgette voudrait proposer? Oui, merci. Subjectif un petit peu, mais quand même. Gestion. Point 4.1. C'est donc une résolution sur l'embauche d'un inspecteur de l'urbanisme. C'est monsieur, on procède donc à l'embauche de M. Yves Essonneau à titre d'inspecteur en urbanisme rétroactif au 8 mars, étant donné qu'il est déjà en poste. Qui propose? Je propose. Michel Forgette. Le point 4.2, c'est la nomination d'une personne désignée comme coordonnateur locaux des cours d'eau. En fait, il va y avoir deux personnes, la personne de directeur du service de l'urbanisme, M. Daniel Landry, ainsi que notre inspecteur en urbanisme, M. Yves Essonneau. Qui propose? Je propose. J'ai vu une main levée puis une voix, fait que je vais prendre la reine. Elle fait son exercice ce matin. Ça va. Point 4.3, désignation de fonctionnaires responsables de la délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d'urbanisme. Donc, la résolution vient spécifier que M. Daniel Landry et Yves Essonneau vont pouvoir maintenant légalement émettre des permis et certificats. Qui propose? Je propose. Je te garde le prochain, Réal. Michel E. Michel E. Il a parlé plus fort. Point 4.4, bail de location entre la municipalité et le Centre intégré des services sociaux, donc le ce qu'on appelle le CISO, pour l'usage du complexe pour y venir tenir une clinique de vaccination. C'est un bail d'une durée de 6 mois renouvelable. Qui propose? Je propose. Donc, Réal. Je te regardais en passant, Réal. Oui. Ensuite, le point 4.5, mise en disponibilité et autorisation d'achat de véhicules pour le service de l'urbanisme. C'est donc, on avait un montant qui est inscrit au PTI. On va maintenant juste s'assurer d'avoir les fonds nécessaires. C'est un montant qui va être à 30 000, qui devrait inclure là, le lettrage pour le véhicule. Puis c'est un remboursable à même le fonds d'administration sur une période de 10 ans. Qui propose? Elle propose. Sophie. Et on arrive à la période de questions. Il vous manque un point. Ah, je l'ai pas. Il ajoute le 4.6. Moi, ça, j'ai pas su. Ça, c'est ma feuille, moi. Et c'est quoi le point 4.6? C'est pour le véhicule des travaux publics. Ça a été rajouté à l'ordre du jour hier. Vous avez reçu. Ah. J'ai omis de l'ajouter dans cela à mon dossier. Donc, c'est un montant qu'on augmente, si je ne me trompe pas, à, attends, laisse pas réfléchir, 40, 50 000? 45 000, dans le fond, 45. Il y avait 35 000 déjà de libérés du fonds de roulement, il manquerait une somme de 10 000, plus ou moins 10 000, là, pour faire l'acquisition du véhicule de la compagnie Groupe RLS Incorporé, pour l'achat d'un pick-up Silverado, Chevrolet Silverado 2018. Et c'est un 2500. Faites à noter qu'on avait un 2006 qui nous a abandonné. Donc, il était rendu en fin de vie au courant de la semaine dernière. Fait qu'il faut donc le remplacer. Et je prends une petite seconde pour dire que les 2500 sont usagés, sont très difficiles à trouver. Fait que par un curieux hasard, on a la chance d'en avoir un. Fait qu'on saute sur l'occasion. Qui propose? Propose. Je vais y aller avec Michel Forgette, vu qu'il a parlé en premier. Donc, le point 4.6, c'est noté.
On arrive donc à la période de questions, mais étant donné on n'a pas de public, à moins qu'il y ait des questions qui soient rentrées via l'Internet, mais je pense pas. Fait que donc, on va pouvoir procéder à la levée de l'Assemblée. Je propose. Ah. Excuse-moi, Michel est encore été plus vite à ce coup-là. Alors, merci. On se revoit donc possiblement juste pour l'Assemblée d'avril.